Bien, bonjour à tous. Là, sur le plateau de Chaumette, où j'étais arrivé hier, prêt à partir pour le quatrième jour de mon road trip, la Grande Vadrouille. Aujourd'hui, je me suis levé tôt parce que la journée va être longue, il y a beaucoup de sites à voir. Notamment le barrage Grandval, les gorges de la Truyère. Je vais descendre jusqu'au chaos de Montpellier-le-Vieux et pour remonter, terminer à Mende à l'aérodrome où décollent les planeurs. Ici, je suis à Saint-Flour en fait. Donc ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup d'arrêts. Je suis parti tôt. Mais il y a du brouillard de ce fait-là. Espérons qu'il va se lever parce que je vais au château d'Alleuze. Les photos devraient être jolies à faire, d'autant qu'il y a la fameuse épingle à cheveux avec le château à l'arrière-plan où le cycle s'arrête carrément, se sépare en deux. C'est dommage de ne pas faire cette photo sous un beau soleil. on verra, voilà, on y va. Bien, je suis sur la route qui mène au château d'Alleuze. C'est sur cette route qu'en partie a été filmée la poursuite de la charrette, non, c'est pas la charrette, de la voiture qu'ils avaient volée à la bonne sœur, dans laquelle il y avait des citrouilles qui balancent des citrouilles sur les sidecars allemands qui pour les poursuivre. C'est en partie sur cette route que ça a été tourné. Bon, je vais filmer cette route jusqu'au château d'Alleuze, là où il y a cette fameuse épingle à cheveux dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on verra bien ce qu'on verra. Parce qu'il y a un brouillard à couper au couteau. On ne voit pas grand-chose. C'est même limite dangereux. Parce que par moment, il y avait des bifurcations que je voyais au dernier moment. Je ne sais pas trop par où aller parfois. Enfin bon, mais voilà, j'y suis. L'important c'est d'y être finalement. Dans 1,5 km, je serai au château et on va aller jusque-là. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Voilà donc les ruines du château d'Alleuze et cette fameuse épingle
où le sidecar se sépare, hein, et finit par tomber parce que pas habitué à rouler désattelé. Voilà. Et voilà, par là on va sur le barrage Grand Val, donc on voit le lac ici. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aller faire quelques photos des amis cyclistes à qui ça fera plaisir. Cyclistes particulier étant donné qu'il est basé sur une mobilette motobécane. Allez, on vous fait ça. Ben, je suis toujours dans le brouillard, mais le soleil commence à percer. Donc après être passé par le château d'Alleuse, je me dirige vers le barrage de Grand Val qu'on voit dans le film lorsqu'avec la camionnette de la Bonne Sœur, ils forcent le barrage établi par les Allemands sur le barrage. Ceci dit, petite anecdote, barrage qui n'existait pas durant la Seconde Guerre mondiale, il a été construit après. Voilà. C'est véritablement à ce barrage-là que dans le film commence cette fameuse poursuite avec les sidecars, les citrouilles qui balancent sur les motards, le gars qui vole dans la mare parce qu'il a suivi les lignes blanches qu'on est en train de traper. Ben voilà, c'est à partir de ce barrage que cette poursuite-là commence. Mais on va aller jusque-là en espérant que le brouillard ne gâche pas la vue. Voilà. C'est dans 3 km.
jeter un premier coup d'œil ici et on ira voir un peu plus loin. Mais voilà, une lumière comme ça avec ces espèces d'arches comme ça. Voilà, je pense qu'on devrait avoir une plus belle vue un peu plus loin. On va aller voir ça. Et comme vous avez peut-être vu sur un panneau, nous sommes maintenant dans le Cantal. Et ils ont de bons fromages. Dans le film, quand il est à bord de la camionnette. Donc vous êtes là comme si vous étiez dans la camionnette de la grande vadrouille. Le barrage des Allemands était établi là et ils l'ont forcé en percutant les voitures. Ouais, c'est marrant, hein. Bon, on va faire une petite séance de photos et après on ira sur les routes le long du barrage. On passera par du viaduc de Garabi et on dans les gorges de la Truyère aussi. Voilà, à tout de suite.